Petite vidéo ce soir pour vous présenter les nouveaux perchoirs que j'ai installés. Je vous avais filmé leur préparation. Ah, ce sont des racines araignées qui sont normalement destinées aux aquariums, donc c'est un bois assez léger que j'ai recoupé et retravaillé de façon à créer des nouveaux perchoirs plus naturels pour les oiseaux. Alors ils ont été passés au vernis marin de toute façon pour faciliter l'entretien. Et éviter que des parasites ne s'infiltrent dans le bois. Comme c'est du bois, c'est toujours délicat à l'usage. Voilà, donc celui-ci, il est bien apprécié déjà. Enfin, ils sont déjà tous appréciés. J'ai pu jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Il y a déjà une racine centrale qui permettait d'avoir différentes positions pour les oiseaux. Au lieu d'être sur une régularité de barreaux traditionnelle, là, on est sur quelque chose d'un peu plus naturel. Et puis, ils ont des diamètres comme ça différents pour aller se percher. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la tache derrière. Voilà, donc pour le derrière, je ne sais pas si on voit bien, un petit bout de bois que j'ai verni et découpé avec une vis. Et puis, un petit tourillon pour maintenir l'ensemble. Voilà, donc ça reste naturel, ça se voit pas trop sur la cage. Parce que vous en pensez, ça, moi je trouve ça, voilà, c'est pas choquant, c'est pas vilain. Et puis ça donne un petit peu plus de solution de repli aux oiseaux à l'intérieur. Ils peuvent. Alors j'adapterai un dessus de la pomme. Ou tout autre fruit et légumes. Voilà, ça sera sympa. Et puis il y a des endroits qui sont prévus déjà pour installer tout ça. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà, bonne soirée à tous!